cô cho ông chấm ra cam tỏ khi chấm ra cam để thi tham gia tỏ thành lập đoàn ca chuyên từ xã mình bị cà phê đầy lục nôn chía năm mươi xua đến đầu chụp buộc xã xây Mr. President, we don't have any questions. May the way, lo pertain khiom man mien samnuon te. Ba akun jong pdao vika jun te sa mithi vika pe kdai lok khe samphon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de Monsieur Fusampan à côté de mon confrère Pong Samon. Et j'ai quelques questions complémentaires, pas très nombreuses, à vous poser. Tout d'abord, vous êtes né dans le Mondol Kiri. Est-ce que vous êtes bien resté dans votre localité entre 1970 et 1975? Nhưng nào khát nước gì phía chất sắp bấm buồn chất sắp rám ta chất sắp bấm buồn Et avant 75, est-ce que vous y habitiez aussi ou est-ce que vous habitiez ailleurs? Lúc nào mà ông đô kỳ đáy rồi có lúc nào còn làm xe Khiom nao bin do kri dae. Vous avez indiqué répondant à monsieur le procureur que vous êtes entré dans la révolution en 75. Avant 75, est-ce qu'il y avait des Khmer rouges dans le monde du Khmer? Mien. Est-ce qu'il y en a eu plus après 75 ou c'était le même Khmer rouge qui était présent? Est-ce que avant 75 et pendant que la guerre du Vietnam avait cours, est-ce qu'il y avait des militaires vietnamiens dans le Vietnam? Ta mien te hien Vietnam đại lý tế nó khai Mondol Kiri. Adiol, Sunno. Est-ce que vous avez constaté la présence de soldats vietnamiens avant 75, lorsqu'ils étaient encore alliés des Khmer rouges ou de la population? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez vu des soldats vietnamiens à l'époque? Est-ce que vous avez constaté la présence de soldats vietnamiens avant 75, lorsqu'ils étaient encore alliés des Khmer rouges? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il faisait dans votre localité et comment s'organisaient les relations avec la population locale? Est-ce que vous connaissiez à l'époque, avant 75, il est devenu commandant de... Je vais retrouver tout de suite. Chef de bataillon. Est-ce que
Vous le connaissiez avant 75? Ta lok mien skol chmuh Lan nung te mun chnam 1975. Lan at skol de Lan. Chmuh Lan lok skol te. Jacket Dogri skol Lang va Lan Lan doy at mien chmuh. Alors, est-ce que ce Lan, et je remercie la cabine d'interprète Khmer de le prononcer comme mon confrère, est-ce que vous le connaissiez avant 75? Je vais demander vraiment l'aide de la cabine d'interprète. Je vais essayer de faire autrement. Vous avez évoqué un certain Lan qui était chef du bataillon 1. Est-ce que vous connaissiez ce Lan, chef du bataillon 1, avant 75? Lan Squal, Lan Squal. Avant 75. Mon chanam pon bon rochette sa pram nalou. Bad. Il habitait comme vous dans le Mondolkiri. Aïe, quand on a eu Mondolkiri, il a été interrogé par l'organisation CDCAM est dans une déclaration au 3/7/8/2. Il a évoqué les tensions qu'il a pu avoir dans sa localité entre la population locale et les soldats vietnamiens qui étaient à l'époque soutenu par la population et par les Khmer Rouges. Est-ce que vous avez souvenir de ces tensions? Je vais essayer de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire. Il évoque donc au document E3/7/8/2, à l'URN en français 00-665-3-2-3, à l'URN en Khmer 00-229-204, et à l'URN en anglais 00-665-7-3-3-8. Il évoque des protestations qu'il a dû faire auprès de Vietnamiens suite à leur comportement. Et voilà la question qui lui est posée. Est-ce que vous êtes allé protester auprès des Vietnamiens? Sa réponse: oui, auprès des Vietnamiens. Je suis parti en courant pour pouvoir les rattraper. J'ai réussi quand même. Je saute une phrase. C'était normal parce qu'ils étaient des étrangers. Ils avaient du mépris pour nous. Ils tiraient sur les éléphants, sur les cochons et sur les poules. Ils violaient. Et puis, le chef du village, ils sont allés violer jusqu'à la femme de ce chef du village. Et c'était à cause de quoi? À cause de l'histoire de la garde des cochons et du grenier à russe. Fin de citation. Donc ma question est, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu des problèmes
Dân nhóm xua lô tha ta lô miền hình này chạm bị bánh hà rồi viên tới hiện Việt Nam chỉ muốn nông bị chôn sur le bétail, les animaux, des gens de la localité seraient été pris par ces Vietnamiens et également l'histoire de viol de la femme du chef de village. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Chị đào nó ta lúc nó khơi cái chuyện năng chừng ăn nó khơi thì đừng sao J'en viens maintenant à la période de 75-79 et aux affrontements que vous avez évoqués avec les troupes vietnamiennes. Donc j'ai compris de votre déposition que vous avez indiqué que les problèmes ont commencé véritablement en 76 et que ça s'est intensifié en 77-78. J'ai compris également que vous étiez dans l'impossibilité de vous souvenir du nombre de soldats qu'il pouvait y avoir dans les troupes ennemies. Sans vous souvenir du nombre exact, est-ce que vous vous souvenez si, de façon générale, les troupes vietnamiennes étaient plus nombreuses que les troupes de l'armée du Campuchia démocratique? មានចំនួនច្រើនជាងកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណាមានច្រើនជាងJ'ai une réponse assez laconique davantage. Est-ce que vous pouvez préciser? បាទលោកឆ្លើយនឹងខ្លីក៏ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេច្រើនជាងនឹងអ្នកណាច្រើនជាងអ្នកណាខាងវៀតណាមនឹងឯងច្រើនជាងខាងកម្ពុជាDans votre déclaration E3/506 à l'ERN en français 00289940 à l'ERN en Khmer 00289940 à l'ERN en anglais 00244491 Voilà ce que vous indiquez.Les soldats des Khmer Rouge se retiraient souvent car les soldats vietnamiens étaient plus nombreux et disposaient des armes plus modernes. Et vous dites aussi, je n'ai jamais entendu ou su qu'un quelconque cadre avait été arrêté ou reproché. Je souligne entre parenthèses que la traduction française n'est pas extraordinaire. Je n'ai jamais entendu ou su qu'un quelconque cadre avait été arrêté ou reproché à cause des combats ou des retraits des champs de bataille à la frontière vietnamienne. Fin de citation.Ma première question est de savoir, quand vous dites les soldats Khmer Rouge se retirent souvent, est-ce que vous évoquez le moment où les troupes vietnamiennes attaquaient et que vous essayiez de les repousser? Est-ce que vous voulez dire que vous aviez du mal à les repousser?ou est-ce que c'est autre chose que vous voulez dire, que vous pouvez préciser? Dans le pays de Khmer Khom, il y a des gens qui ont été dans le Vietnam et qui ont été dans le pays ou qui ont été dans le pays ou qui ont été dans le pays. Il y a des gens qui ont été dans le pays.Dans l'extrait que je viens de lire de votre déclaration, vous évoquez des armes plus modernes du côté du Vietnam. Est-ce que vous êtes en état de dire de quel type d'armes il s'agissait?ជូនតឡាការបានដែរឬទេថាទាហានវៀតណាមនឹងមានអាវុធប្រភេទណាដែរយើងមិនរៀបរាប់បានទេព្រោះយើងអត់ឃើញឃើញតែចេញក្របមកចេញក្របមកមិនចេះអត់ចេះរៀបរាប់ទេ
Est-ce que vous savez si les troupes vietnamiennes ont utilisé des mines dans le Mondulkiri? Est-ce que vous avez connaissance de la manière dont les combats se passaient sur d'autres fronts que celui auquel vous étiez? En résumé, est-ce que vous aviez des informations qui vous remontaient sur la manière dont se passaient les combats sur les autres champs de bataille? Tout à l'heure, le coprocureur vous a cité un passage d'une déclaration de votre frère, Sao Sarun, et je voudrais maintenant lire un extrait de sa déposition devant cette chambre, puisqu'elle a témoigné devant cette chambre, où il dit des choses un peu différentes de cette déclaration de 3/367. À l'intention de la chambre et des parties, je vais citer un procès-verbal d'audience du 30 mars 2016, document E1/411.1, et la partie qui m'intéresse se trouve un peu avant 11h06:33. Une question est posée à votre frère sur votre rôle pendant la période du Kampuchea démocratique. Et voilà ce qu'il répond. Je cite. À ma connaissance, son rôle était de protéger la frontière. Il était l'adjoint du premier régiment. Et plus tard, en 78, on lui a dit d'aller protéger l'arrière. Je ne sais rien des tâches que vous avez évoquées. J'étais au district et je n'ai rien vu ou rien entendu de tel. Certes, c'était mon cadet. Mais à l'époque, je ne savais pas s'il avait joué un rôle quelconque concernant les arrestations. Je me trouvais au district de Pech Chenda. Je n'essaie pas de cacher ce qu'il aurait pu faire, mais je n'en ai pas été témoin, ni n'ai entendu quoi que ce soit là-dessus à l'époque. Il était mon frère cadet, mais nous avions différentes missions. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez posté dans le district de Oreng. Est-ce que j'ai bien compris? Votre frère dans le passage que je viens de citer indique qu'il était dans le district de Pech Chenda. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance se trouvaient les deux districts? D'accord, donc ce n'était pas précisément à côté. Ma question est donc la suivante maintenant. À quelle fréquence est-ce que vous avez vu votre frère entre 75 et 79? Je suis
Et lorsque vous vous rencontriez en tant que frère, est-ce que vous parliez de vos missions respectives, de ce que vous faisiez comme travail et des tâches que vous accomplissiez? Vous avez évoqué tout à l'heure avec M. le procureur le centre de sécurité de Phnom Krau en disant que vous l'avez vu de loin. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez entendu parler des centres K16 et K17? Je vais la répéter, il n'y a pas de souci. Vous avez parlé du centre de sécurité de Phnom Krau. Je voudrais savoir si, en dehors du centre de sécurité de Phnom Krau, vous avez entendu parler des centres K16 et K17. Vous avez indiqué plutôt que c'était selon vous Taleng qui avait été en charge de ce centre de sécurité de Phnom Krau et vous ne savez pas qui a pris sa suite. Il me semble également que vous avez parlé d'un certain Pai. Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous saviez quelles étaient les personnes en dehors de ces personnes-là qui travaillaient à l'intérieur du centre de sécurité de Phnom Krau? Dans une déclaration E3 par 7703, une personne dénommée Undos a évoqué le centre de sécurité de Phnom Krau. Et voilà la question qui m'a été posée, c'est à l'URL en français 00426116, URL en anglais 00242171, URL en Khmer 00236746746. 0023 6746. Qui étaient les responsables de la prison de Phnom Krau? Réponse: ils étaient Pai, Leng, L-E-N-G, et Ta Leng, L-E-A-N-G. Actuellement, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, ni où ils habitent. Ces trois sont d'ethnicité laotienne. Ma question est de savoir, est-ce que Pai était d'ethnie laotienne? Et est-ce que Ta Leng, L-E-A-N-G, vous dit quelque chose? Et
Est-ce que vous savez si Taleng a travaillé à la prison de Phnom Penh? Ta lok men dang dai rue te tha ta Taleng ni tveu ka nou mantri sansok Phnom Krao dai rue te. Dang. Et est-ce qu'ils étaient d'ethnicité d'ethnie ta kwat nang ne chi chon chiet liew men te? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Ah, ça me nous mon frère Kongsamon n'a pas d'autres questions. Aïe, ça met ça fait tard avant que le maître Kongsamon qu'a admis son nom dans l'obtien son macun. Ông chủ bệnh, ông quân lục sài mắng, nó sẽ là các đạo khai cam và lục trong tận nạn sẽ xây một đạo bồn về nít bắn đào tìm trọng hơi hay sẽ khai cam và lục nâng ai rùm phía cái tiên trong các phái đồ cá phất nâng rừng cái này đi là nít hoạt động miền bắc lục nơi ở bờ tàu cò nâng lên miền phía trạm bãi chết hơi lục ai bờ tận lại thực căn làm nơi than rồi có cô đào nát đại lục miền bầm nong trong tây bàn hơi xôm lục ở miền tàu phía ló chụp tại tầm nàng ló bàn đây sóc đây nhầm lần ông nhầm đấy, ông quân lục mới chỉ bị bực xả xây, hay là nít lục ai làm bàn hơi, hay một tre bàn là cá, rồi cho mình nâng bọc lực này ông có việc công việc xả xây nên nhầm đấy chun lục sang mắng vừa lập được căn làm nơi than được cô đào nát đây lục miền bắc long trong tự bàn hơi, lục sang mắng ai chạy tranh bán này nhầm với mới chỉ bị lục đôi phải បាទតតនេះយើងអង្គជំរះធ្វើសម្មនាការស្ដាប់នៅសារណារបស់ភិក្ខីឬសម្ដៅសុំរបស់មេធាវីការពីក្តីយកខៀវសំផនដែលសុំបន្ថែមពេលវេលាមួយថ្ងៃក្នុងការស្ដាប់ទៅខីកម្មសាក់សីពីTC ស៊ីធីកម្មអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក់សីពីររូបដែលស្នើឡើងដោយក្រុមមេធាវីការពីក្តីនួនជាការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺបំពេញបពេញបក្រុបឬបញ្ហាដែលមានចំពោះសំណើសុំហើយទីមួយខ្ញុំអង្គជំរះស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់ភិក្ខីឬសំណើសុំរបស់មេធាវីការពីក្តីខៀវសំផនដែលសុំបន្ថែមពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់ទៅខីកម្មសាក់សីពីTC ទៅ VU 1046ដែលត្រូវកំណត់ឲ្យមកដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលានេះពីមួយថ្ងៃទៅធ្វើពីថ្ងៃវិញហើយដំបូងនេះឲ្យខ្ញុំរះផ្ដល់វិការជូនទៅសម្ដេចមេធាវីការពារក្តីខឿនសំផនដើម្បីឡើងបង្ហាញដោយសង្ខេបនៅសំណើសុំរបស់ខ្លួន Merci monsieur le président. Notre demande brève, nous avons commencé autant que faire se peut à revoir le témoignage en vue de l'audition lundi du témoin TCW 46. Et nous avons réalisé que la journée qui avait été initialement prévue par la Chambre risque d'être courte par rapport aux questions qui peuvent être posées à ce témoin. Ceci pour deux raisons. Nous savons que ce témoin était chef de division. Il a été stationné au moins sur deux champs de bataille différents, une à la frontière de la zone sud-ouest et un champ de bataille plutôt au niveau de la frontière de la zone sud-ouest et un autre au niveau de la zone est, ce qui couvre quand même une grande partie du conflit armé, que de surcroît
il semble qu'il faisait partie d'une brigade particulière d'intervention, comme l'a évoqué le témoin de Chumonti, ce qui suppose qu'il était amené à stationner à différents endroits au niveau de la zone est, et que donc on est susceptible d'obtenir plus de renseignements sur le conflit armé par l'intermédiaire de ce témoin. D'un autre témoin compte tenu de son grade. Et c'est le deuxième point qui me semble intéressant et qui justifie notre demande, à savoir que nous avons constaté que la Chambre a appelé le témoin TCW 1065 qui avait un grade inférieur à celui de TCW 1046 et que la Chambre a prévu a priori pour son audition. Du fait que nous n'avons pas un nombre infini de témoins sur ce segment du conflit armé, l'intérêt d'avoir des témoins qui ont participé au combat, c'est de pouvoir essayer de les confronter avec des éléments de preuve que nous avons au dossier. Pour savoir si les différentes localités qui sont évoquées dans ces documents leur rappellent quelque chose, s'ils peuvent donner des précisions sur ce qui a pu se passer dans le cadre du conflit. Une journée pour le témoin TCW 1046 nous semble un peu court, sachant encore une fois que son grade et a priori ses différentes positions au cours du camp Putsch démocratique peuvent être utilisées à la Chambre et aux partis. Donc voilà la raison pour laquelle nous demandons une extension de temps et les deux jours ont été faits en parallèle, en faisant un parallèle avec ce que vous aviez considéré comme utile pour le témoin TCW 1065. Voilà, en un mot, l'objet de notre remarque. Thank you, Mr. President. I don't have a lot to say in response. I would keep the court on schedule as well. អញ្ចឹងទីនិស្សិតរបស់អង្គជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចទៅលើសាក្សីនេះ សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមចំពោះការស្នើសុំនេះខាងមេធាវីនៅមុខសូមទុកជូនលោកស្រីចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចអំពីបញ្ហានេះសូមអរគុណគុណចៅក្រមខាងថាមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាមានមតិយោបល់ឬក៏គាត់ផ្ទាល់អ្វីដែរទេលើសំណើសុំនេះ Only that we support submissions and requests of the Q-Sampon. ធ្វើនៅចំពោះមុខស៊ីធីខំចំពោះសាក្សីចំនួន 2 រូបដែលថាមានវិការពីក្តីគឺនួនជាបាននាស្នើសុំការពីម្សិលមិញហើយម្សិលមិញនេះអង្គជំរះបានស្ដាប់
នៅមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារចំនួន2ហើយនឹងសំណើសុំរបស់មេធាវីកាលពីក្តីគឺនួនជារួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាមានរឿងបន្ថែមរឿងថ្មីបន្ថែមលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីម្សិលមិញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាបកិច្ចការនោះគឺអង្គអ៊ីមរះនឹងបានយកទៅពិនិត្យពិចារណាពេញលេញនឹងចេញដោយតម្រូវ ឆាប់ឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះអញ្ចឹងគឺអង្គអ៊ីមរះសូមស្ដាប់ភាគីហើយដំបូងនេះដើម្បីបន្លឿនកុំស្ដាប់ភាគីថាប្រាជ្ញាមុនថាតើលោកបានឃើញនៅប្រទេសចរិតនោះហើយនេះហើយមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរទេលើបញ្ហាឯកសារនោះព្រោះមិនសម្ញក៏យើងបាននិយាយដល់ដែរប៉ុន្តែក៏វាមិនទាន់មាន Translation was a bit misleading. Does everybody know where we are? The articles were the subject of yesterday's debate, the subject of today's debate, and the underlying transcripts. Translation was very clear. There is a request by the Nokia team to allow the transcripts in. Yes, I did understand. We, of course, have no objection to the transcripts. I don't speak Khmer. They're only Khmer, so I can't. No response other than មានការឆ្លើយតបទេក្រៅតែពីចំណុចមួយចំនួនសូមកែខ្ញុំប្រសិនខ្ញុំនិយាយខុសតាមខ្ញុំយល់ការនិយាយសារពេលញ្ញាគឺមានបាទអគុណចុះសាមីទ្វីកាពីក្តីលោកនុនជាបាទសូមគោរពលោកប្រធានខាងមេធាវីនៅមុខមិនមានអ្វីជាការជំទាស់ទេហើយទុកជូនលោកសេចក្តីក្រុមជំនាញសម្រាប់សូមអរគុណសូមអញ្ជើញមេធាវីកាពីក្តីលោកនុនជា បាទអរគុណចុះសាមីទ្វីកាពីក្តីលោកខឿនសំផនមានមតិយោបល់ឬក៏តំកល់អ្វីដែរទេបាទលោកប្រធានខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់អ្វីដែរទេយើងអត់មានចំទាស់អីទេលោកប្រធានបាទអរគុណហើយអញ្ញរះសូមអរគុណចំពោះមតិយោបល់របស់ភាគីដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងពីរហើយអញ្ញរះនឹងយកបញ្ហាទាំងពីរនេះ ទៅពិនិត្យពិចារណាដោយបញ្ហាទី1គឺនឹងចេញដីឡែកតែខ្ញុំរាយដីឡែកក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយដូចគ្នាដែរគឺបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាប្រតិចរិទ្ធនោះអង្គជំរះនឹងយកទៅពិនិត្យរួមគ្នាជាមួយនឹងសំណើសុំរបស់សហមេធាវីកាពីក្តីនួនជាដែលបានធ្វើបានលើកឡើងហើយនឹងបានស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីកាលពីម្សិលមិញ
then we can issue the oral ruling in 10 minutes. បាទឥឡូវនេះដោយសារហេតុថាសំណើសុំទាំងពីរនេះគឺជាសំណើបន្ទាន់ហើយអង្គជំនះត្រូវពិនិត្យពិចារណាសម្រាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពភាគីបានដឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយហើយដូចថាយើងថ្ងៃស្អែកយើងមិនធ្វើសម្ណើការទេដូច្នេះអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់20នាទីសិនគឺចាប់ពីពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោងមួយម៉ោង2កន្លះបានអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យអង្គជំនះពិនិត្យនិងរៀបចំដីតម្រាច់ផ្ទាល់មាត់និងផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីបានជ្រាបឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់សិនចុះ